Il dit encore aux disciples, viendront des jours où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, le voilà, le voici, n'y allez pas, n'y courez pas. Comme l'éclair, en effet, jaillissant d'un point du ciel, resplendit jusqu'à l'autre, ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme lors de son jour. Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Et comme il advint au jour de Noé, ainsi en sera-t-il encore au jour du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme ou mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et vint le déluge, qui les fit tous périr. De même, comme il advint au jour de Lot, on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, Dieu fit pleuvoir du ciel du feu et du soufre, et il les fit tous périr. De même en sera-t-il le jour où le Fils de l'homme doit se révéler. En ce jour-là, que celui qui sera sur la terrasse et aura ses affaires dans la maison ne descende pas les prendre, et pareillement, que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à épargner sa vie, la perdra, et qui la perdra, la sauvegardera. C'est une joie de vous retrouver. Et ce thème, c'est l'eschatologie, les fins dernières. Ces tribulations, ces souffrances, tout ce qui nous est annoncé dans les évangiles. Mais si vous attendez aujourd'hui un enseignement sur les catastrophes à venir ou sur les trois jours de ténèbres, ou si le pape actuel est celui qui va mourir, là, vous vous trompez de retraite. On va parler des fins dernières de l'eschatologie, mais dans la lumière de la divine volonté. Et c'est important d'avoir cela présent au cœur. Il faut d'abord parler de cet échange de vie. Cet échange de vie dans la divine volonté, c'est-à-dire un échange de vie entre Jésus et nous, entre la divine volonté et nous. On va commencer par ça. Tous, je crois, à part ceux qui n'ont jamais entendu parler de la divine volonté, nous savons que vivre dans la divine volonté, c'est essentiellement avoir la vie divine en soi. Ce que veut Dieu, c'est habiter en nous et œuvrer en nous. Habiter en nous, il habite en nous par la grâce. Mais œuvrer en nous, ça, c'est quelque chose de totalement nouveau. C'est un peu comme ce qu'a vécu Jésus. Nous nous rappelons les paroles de Jésus quand il nous disait « Vous croyez que je suis venu faire mes œuvres ? Vous vous trompez. C'est le Père qui habite en moi qui fait son œuvre. » Quand on réfléchit à cette phrase de Jésus, en réalité, on comprend que Jésus ne faisait rien. Celui qui faisait tout,
c'était le Père. Le Père faisait ses œuvres à travers Jésus. Apparemment, de l'extérieur, on voyait l'humanité de Jésus qui œuvrait, qui travaillait. Mais en fait, dans sa partie, dans l'intérieur, c'était le Père. C'était le Père qui, en Jésus, faisait son œuvre à travers les œuvres de Jésus. On peut aussi prendre une autre comparaison parce que c'est un peu difficile de comprendre ces choses-là. Prenons l'exemple de la consécration à la messe. Qu'est-ce qui se passe? Nous voyons un homme, un prêtre, qui est à l'autel. Il prend un petit morceau de quelque chose de blanc. Il dit quelques paroles. Il l'élève, il le descend. Après, il prend le calice. Il met du vin, il met un peu d'eau. Il dit quelques paroles, il l'élève et il le descend. C'est ça que nous voyons extérieurement. Mais spirituellement, qu'est-ce qui se passe? Dans cet acte de l'homme, du prêtre, cet acte, qu'est-ce qui se passe? La vie de Jésus se multiplie. Jésus est consacré. Consacré dans l'hostie et dans le vin, c'est son corps, c'est son sang, et sa vie se multiplie. C'est un peu ce que nous voulons dire et faire comprendre. Les œuvres de Dieu vont se faire à travers les actes de la créature. Qu'est-ce que fait Dieu? Quelles sont les œuvres de Dieu? Bon, vous allez me dire, évidemment, là, la création, la rédemption et la sanctification, bien sûr. Mais qu'est-ce qui sort de lui quand il fait un acte? Nous verrons ça dans le futur. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui sort de Dieu? Une vie complète de lui. Quand Dieu fait une œuvre, dans chacune de ses œuvres qu'il fait, c'est une vie divine qui sort. C'est pour ça que quand le prêtre consacre le pain et le vin, c'est une vie divine qui est dans l'hostie, dans cette apparence du pain, de l'hostie et du vin. C'est une vie divine. Quand Jésus travaille, œuvre, quand une âme qui vit dans la divine volonté agit en comprenant que c'est la vie divine qui est dans la créature, c'est la vie divine qui se multiplie dans la divine volonté à travers les actes de la créature. Vous voyez, c'est la même chose. C'est ça que nous avons découvert, que nous découvrons dans la divine volonté. Bon, pour les personnes qui, pour la première fois, entendent parler de la divine volonté, c'est un petit peu, nouveau, bizarre. Mais peu à peu, vous verrez que vous comprendrez. Voilà. Beaucoup d'entre vous travaillent, méditent, hein, la divine volonté, et vous verrez que on finit par comprendre. Le Seigneur nous aide. Nous allons maintenant lire quelques passages. Et on va analyser ce qu'ils disent. Jésus dit à Louisa, « Ma petite fille de mon vouloir, tu cherches ton refuge en moi et je cherche refuge en toi pour aimer ma créature et me reposer en elle. » Nous, quand on a un souci, quand on a une tristesse, qu'est-ce qu'on fait? On va se réfugier en Dieu. Dans la prière. On n'avait jamais pensé que Jésus essaye de se réfugier en nous. C'est pas quelque chose qui est très commun. Eh bien, Jésus nous le dit ici.
Je veux aimer ma créature et me reposer en elle, afin que son amour me défende contre toutes les offenses des créatures. Tu dois savoir que chaque fois que la créature entre dans ma volonté pour accomplir ses actes, je lui donne chaque fois ma vie divine et elle me donne sa vie humaine. Cette créature possède donc autant de vie divine que d'actes accomplis dans ma volonté. Et c'est honoré et glorifié que je demeure entouré de toutes ces vies humaines, car un acte dans ma volonté doit être complet. Quand le prêtre consacre dans le ciboire, il y a plusieurs hosties, il y en a 2, 10, 15, 20, 100. Au moment où le prêtre consacre, il y a autant de Jésus que d'hosties dans le ciboire. Même s'il n'y a qu'un seul Jésus, bien sûr, il n'y a pas plus de Jésus. C'est un seul Jésus, mais dans chaque hostie. Quand la créature, chacun de nous, fait ses œuvres dans la divine volonté, qu'est-ce qui se passe? Chaque acte devient comme l'hostie, la matière, et la divine volonté met sa vie dans cet acte, comme elle le faisait dans l'hostie. Et donc, la créature devient, entre guillemets, devient propriétaire de ses vies parce qu'elles sont à elle. Parce que c'est elle qui a fait l'acte dans la divine volonté. Vous comprenez? C'est extraordinaire, c'est merveilleux. Vous êtes bien silencieux. Je me donne entièrement. Jésus se donne entièrement à l'âme quand elle œuvre, quand elle fait ses actes dans la divine volonté. Il faudrait parler de ce qu'est une vie, évidemment. Quelqu'un a une idée? Qu'est-ce que c'est la vie? La vie, c'est un ensemble d'actes. Vous êtes d'accord? Quand il n'y a pas d'actes, il n'y a pas de vie. Par exemple, la mort arrive quand la personne ne fait plus d'actes. Elle n'a plus d'actes. Elle ne fait rien. On déclare la personne morte. Alors, qu'est-ce qui nous fait produire des actes? C'est notre volonté. La volonté, c'est le moteur de tout ce que nous faisons. Si ma volonté ne veut pas agir pour des choses très simples, pour me mettre debout, pour aller à un autre endroit, par exemple maintenant, quelqu'un m'invite à m'asseoir ici et je ne veux pas y aller. Voyez, notre volonté, c'est celle qui nous fait agir, qui nous fait bouger, qui génère nos actes. Si ma volonté ne se décide pas à quelque chose, je ne fais rien. Si ma volonté ne se décide pas à parler, je ne parle pas. Si ma volonté ne se décide pas à voir, je ne vois pas. Je ferme les yeux et puis voilà. C'est la volonté qui est le moteur de tout ce que nous faisons. Alors maintenant, on doit penser que la volonté, c'est le moteur qui génère la vie dans la créature. Jésus dit à Louisa, ma fille, un seul acte ne forme pas la vie, mais des actes continus
et répétées forment la vie. À partir du moment où nous avons été conçus, notre volonté a commencé à œuvrer, à travailler, et elle continue à œuvrer jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous sommes vivants. On a beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses. On peut manger, on peut penser, on peut chanter, on peut danser. Mais le moteur de tout cela, c'est toujours notre volonté. Donc, la vie humaine, c'est l'ensemble des actes que ma volonté fait. Eh bien, pour Dieu, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que c'est la vie divine? Jésus dit que la vie divine, c'est tous les attributs de Dieu ensemble, unis par l'amour, émus, mis en action par ma volonté. Ça, c'est la vie divine. On va résumer un peu. Tout ce que nous pouvons faire par notre volonté, c'est notre vie. Tout ce que Dieu peut faire, fait, et c'est sa volonté qui le fait agir, qui lui fait faire cela, cela, c'est la vie divine. Quand Jésus nous dit qu'il veut un échange de vie, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que nous allons faire un échange. Un échange de quoi ? Un échange de volonté. Je prends sa volonté, la volonté divine, et je lui donne ma volonté humaine. Qu'est-ce qui va se passer quand on fait ça, cet échange de vie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans l'âme quand l'âme a une volonté divine en elle? Avec quoi elle se bouge? Elle bouge. Et qu'est-ce qu'elle bouge? C'est la volonté divine qui va agir en nous. Mais qu'est-ce qu'elle va bouger en nous? Ses attributs divins. Ses attributs divins. Vous comprenez? Et elle les bouge à travers quoi? La divine volonté. À travers mes actes. N'importe quels actes. Bouger un pied, bouger une main, cligner des yeux, une parole, une pensée, n'importe, peu importe. Ce que je fais bouger, ce sont les attributs divins. C'est compliqué. La vie humaine, dit Jésus, est composée de corps et d'âme. D'âme et de corps. Mais quel est le mouvement de cette vie humaine? La volonté. Sans elle, sans cette volonté, on ne pourrait pas faire ces belles œuvres, ni enseigner quelque chose, ni acquérir des belles sciences. C'est pour cela, tout le beau de la vie, tout ce qui est beau dans la vie humaine, disparaîtrait. Voilà. Voilà, l'intelligence, posséder, créativité, tout ce que peut faire un homme, ça lui vient de sa volonté qui lui permet de le faire. Alors, si ce mouvement, maintenant, le fait ma volonté, si c'est ma volonté, dit Jésus, qui fait ces choses maintenant dans l'âme, se forme la vie divine. C'est-à-dire que nos actes que nous avons l'habitude de faire, mais que nous réalisons et que nous permettons à la divine volonté de réaliser en nous, ce qui se forme, c'est une vie divine, c'est plus une vie humaine. Pensez à une maison. Il y en a parmi vous qui ont construit une maison? Pas vous, mais... Imaginez la construction d'une maison. Au fur et à mesure que nous mettons des pierres ou des briques, pour les murs, après des barres de fer, du ciment,
la maison se forme. Chaque brique augmente la construction de la maison jusqu'à ce que la maison soit complète. Et elle est terminée et on peut l'habiter. Voilà. Si cette maison, nous la faisons avec des briques, ben ça sera une maison de briques, construite avec des briques. Si c'est une maison que l'on construit avec un autre matériel, en terre, ça sera une maison de terre. Si c'est une maison que l'on fait avec du bois, ça sera une maison de bois. Ça dépend du matériel que l'on va utiliser pour construire la maison. Si je construis ma vie avec mes actes humains, qu'est-ce que je construis? Une vie humaine. C'est ce que nous avons tous. D'accord? Ma vie humaine va être une question, va être la même que la vie de Jésus? Et non. Pourquoi? Parce que dans Jésus, sa volonté est d'une autre nature. C'est pas une volonté humaine qui agit en Jésus, c'est une volonté divine. Jésus n'utilise pas de la terre, ni de les briques, ni du bois. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire que Jésus, par exemple, construit une maison avec des lingots d'or. C'est une maison d'or. Ça nous donne, c'est une image, parce que c'est le matériel que lui, il a, de l'or. Bon, si moi j'ai ma maison construite là maintenant, et je dis écoute, ça me plaît ta volonté, Jésus. Je comprends pas les choses de la maison, tout ça, je comprends pas. Mais je veux vivre de ta volonté. Bah, Jésus me prend au mot, il me dit d'accord. On va faire un échange de vie. Et dans cet échange de vie, c'est Jésus qui va commencer à mettre ses briques en moi, son matériel. Vous comprenez? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ma maison à moi va s'écraser, va être démolie parce que le poids de l'or va écraser mon bois, ma terre ou ma brique, hein, de ma maison, voyez. Voilà. Qu'est-ce que Jésus doit faire? Il me dit, donne-moi ta vie. Donne-moi ta petite vie. Et moi, je mets ma maison en toi. On pourrait dire, c'est pas exactement le mot, mais il reconstruit. La vie divine est une, et il n'y a pas de changement, mais seulement il va me la donner. Il y a une substitution. Il va substituer ma maison à la sienne. Et maintenant, eh bien, j'ai une maison, mais j'ai une maison divine. Et tous mes actes, à partir de maintenant, vont être quoi? Divins. Qu'est-ce que... c'est pas merveilleux? C'est extraordinaire. C'est ça, c'est très simple. C'est un échange. Enlève ce qui est à toi, et je vais te donner ce qui est à moi et tu vas le prendre comme si c'était à toi. Voilà, c'est tout. Jusqu'ici, on comprend plus ou moins. Je veux que tout ce qui est à toi soit à moi. Et là, les difficultés commencent. En Dieu, tout existe. Vous vous rappelez ce que dit Saint Paul? Tout a été créé par lui, en lui et pour lui. Vous vous souvenez? En lui. En lui.
et d'autres paroles de Saint Jean. Qu'en lui, tout était vie. Que la vie, il était la vie en Jésus, dans le prologue de Saint Jean. Saint Paul, dans la lettre aux Romains, dit bien que l'homme n'a aucune excuse de ne pas reconnaître Dieu. Parce que dans toutes les choses créées, Dieu a laissé quelque chose, un reflet de ses attributs divins. Si nous prenons ces paroles des lettres de Saint Jean et des lettres de Saint Paul, qu'est-ce qu'on peut conclure? Que en Jésus, il y a tout. Et nous sommes tous en lui. Par lui, avec lui, en lui. Vous comprenez? C'est important et on va aller un plus loin, je vous disais, parce qu'il faut comprendre que Jésus, c'est le tout. En lui, il y a tout. Tout est en lui. Tout a été créé en lui. C'est le premier-né de toute créature. Jésus, donc, a tout en lui. Il nous contient tous en lui. C'est ça surtout qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que je disais que ça se complique. Parce que comment je peux moi avoir tout cela, tout ce que Jésus a, comment est-ce possible que je peux avoir tout cela en moi pour avoir la même vie que Jésus, hein? C'est ça. Mais dans une lecture, Jésus va nous expliquer comment nous pouvons enfermer tout ce qui est à lui en nous. Et peu à peu comprendre. Je suis dans la puissance du Fiat suprême qui toujours veut me donner ce qui est à lui, afin de toujours me tenir occupé. Et pour que nous ayons toujours quelque chose à faire, ensemble, à travers ma pauvre âme, et s'il perçoit quelque vide qui ne soit pas sa volonté, avec une activité admirable et inimitable, il voit ce qui me manque de tous les actes qu'il a accomplis par amour pour les créatures. Et tout heureux, il le scelle dans mon âme en me donnant une petite leçon. J'étais surprise et mon toujours aimable Jésus, visitant sa petite fille, me dit « Ma bonne fille, ne sois pas surprise. L'amour de mon vouloir est exubérant, mais avec la plus haute sagesse, car il veut faire pour celle qui vient dans son vouloir œuvre digne de lui, de petite répétitrice de sa vie, de son amour, et cacher en elle la sainteté et la multiplicité de ses œuvres. Il veut continuer son œuvre créatrice, il veut former et répéter et étendre toute la création, et même plus encore, dans la créature qui vit dans sa volonté. » Nous voyons bien qu'il ne veut pas seulement enfermer ce qu'il a fait dans l'âme, mais il veut l'espace pour pouvoir faire de nouvelles choses et de nouvelles créations. Vous voyez, ce n'est pas seulement ce qui est, mais aussi ce que Dieu n'a pas pu faire. Et ça, c'est curieux. C'est très intéressant. Vous comprenez? On va aller à la création de l'homme maintenant. Vous croyez en Adam? Qui c'est qui ne croit pas en Adam? Bon. Qui c'est qui ne croit pas en Adam? Levez le bras. Personne. Bon, c'est bien. Vous pouvez tous rester là alors. Hein?
Quand nous commençons à lire et à méditer le livre de la Genèse, Dieu crée Adam, ensuite il se repose. Il se repose. Mais immédiatement après ce repos, il y a la chute. Adam lui échappe des mains, si on peut dire. Vous comprenez? Vous voyez? Adam désobéit, pêche et sort du plan de Dieu. Et après, vous savez ce qui est arrivé. Toutes les conséquences du péché, tout ce que nous pouvons souffrir maintenant. Et tout ce que Dieu va devoir faire pour guérir et réhabiliter l'homme. Mais à Dieu, qu'est-ce qui est arrivé à Dieu? Eh bien, Dieu ne s'est plus reposé. Dieu ne pouvait plus se reposer puisque son paradis, le seul lieu où Dieu se reposait, c'était en Adam. Le paradis terrestre a été fait pour Adam, mais l'homme Adam était le paradis de Dieu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va devoir recommencer l'homme, refaire l'homme, recréer l'homme, parce que l'homme n'est plus ce qu'il attendait de lui. L'homme n'est plus ce que Dieu, au début, avait créé et où il pouvait se reposer. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance, mais de qui? De Jésus. À l'image et à la ressemblance de Jésus. Il est créé à l'image et à la ressemblance de son Fils. On a été créé en lui. Hein? Et en Jésus, qu'est-ce qu'il a? Une vie humaine et une vie divine. La vie humaine, nous l'avons. Bon, comme Jésus. Mais est-ce que nous avons la vie divine qu'avait Jésus? Ou qu'a Jésus? On devrait l'avoir, la vie divine. Nous avons une volonté humaine, comme Jésus. Nous sommes à son image et à sa ressemblance. Mais on devrait avoir aussi une divine volonté, comme Jésus. Mais on ne l'a pas. Nous ne l'avons plus. Donc, nous ne sommes plus hommes. On est ce que nous sommes, mais nous ne sommes plus des hommes à l'image et à la ressemblance de Jésus. Nous ne sommes pas vraiment hommes. Le vrai homme, c'est Jésus. Alors, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devoir à retravailler pour que cet homme de nouveau soit ressemblant à son Fils. Et tout le plan de Dieu, tout le plan qu'il avait pour l'homme, a été suspendu, a été arrêté. Parce que Dieu ne peut plus maintenant mener à bonne fin son plan, la finalité pour laquelle l'homme a été créé, c'est-à-dire de pouvoir reproduire sa vie dans un être ressemblant à lui, pour pouvoir avoir avec lui une relation d'amour, une relation d'égalité entre Dieu et sa créature. Voilà. Donc, le plan de Dieu a été interrompu, Dieu a été comme frustré dans son plan, et il doit se mettre à travailler, et il travaille. Et ça fait des milliers d'années que Dieu est en train de travailler pour replacer l'homme dans cette origine, pour remettre l'homme là où il était au début. Voilà. Alors, nous avons toute l'histoire avant le déluge déjà. Hein. Puis après cette première humanité, nous savons comment elle a fini. Ils ont disparu de la terre avec le déluge. Pourquoi ils ont dû disparaître avec le déluge? Déjà, nous avançons dans cette retraite. Pourquoi Dieu doit éliminer tous ces gens qui existaient avant le déluge? C'est un Dieu qui est vraiment sadique, méchant. À cause de leur comportement.
Il ne répondait plus. Il n'avait plus cette nature que Dieu avait créée. Et donc, il ne pouvait plus avoir une relation avec Dieu. Si Dieu veut aimer une créature, comme Dieu aime, parce que pour Dieu, aimer, c'est se donner, ce n'est pas un sentiment. La créature aujourd'hui n'est plus capable de recevoir cet amour de Dieu. On n'est plus capable de recevoir tout Dieu. Donc, les créatures ne peuvent pas satisfaire le plan de Dieu et permettre à Dieu de réaliser son plan d'amour. Et si nous, nous l'aimons, Dieu, est-ce qu'il va être satisfait et content de notre amour? Vous connaissez l'histoire du petit chien de Fifi? Non? Vous ne connaissez pas l'histoire de Fifi? Vous avez des petits chiens? Vous avez un chien chez vous? Oui? Bon. Vous aimez votre petit chien? Beaucoup? Bon. Et votre petit chien, il vous aime? Oui? Oh là là! Alors, qu'est-ce que fait le petit chien quand vous arrivez à la maison? Il saute, il aboie, il bouge la queue, il court, il vous lèche les mains, tout. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous le caressez, vous l'embrassez, quelques-uns lui donnent un bisou. Voilà, pas tous. Enfin, vous lui donnez quelque chose à manger, une friandise, et après 10 minutes, qu'est-ce que vous faites? Vous le laissez vivre avec vous? Lui, son désir, c'est d'être avec vous, de manger avec vous, de dormir avec vous, de dormir dans votre lit. Vous lui laissez faire ce qu'il a envie? Ça, c'est le point important. Après 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, peu importe le temps, vous le remettez dans sa niche, vous le mettez dans le garage ou dans son panier ou dehors. Et c'est fini. Alors dites-moi, si vraiment vous aimez votre petit chien, pourquoi vous ne le mettez pas à table avec vous pour lui parler, pour lui dire aujourd'hui, Fifi, je voudrais parler avec toi. Par exemple, j'étais à une retraite, j'ai écouté quelqu'un qui parlait de toi, mais j'ai rien compris. Hein? Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne lui dites pas, allez, viens Fifi, on va avec des copains, on va partager avec eux, on va boire un coup, on va manger, on va parler, voilà, on va se promener. Pourquoi? Pourquoi la nuit, vous ne lui dites pas, allez, viens dormir dans mon lit? Non. Pourquoi? Pourquoi, quand vous arrivez à la maison, si vous aimez tellement votre chien, pourquoi ne vous mettez-vous pas à quatre pattes et que vous mettez à courir derrière lui, vous lui mordez les pattes, vous le léchez, vous... Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas de la même nature. L'amour d'un homme, d'une créature, n'est pas la même chose que l'amour d'un chien. Et l'amour d'un chien n'est pas le même amour que le mien. Donc on peut partager des moments ensemble. Je peux être généreux, bon avec les bêtes. Je peux sortir mon chien pour le promener. Le chien, il voudrait partager tout ce qu'il a avec moi. Mais moi, je ne peux pas. Je ne le laisse pas. Parce que nous ne sommes pas de la même nature. Pour que je puisse partager à égalité avec mon petit chien,
dans une relation pleine d'amour. Bon, il faudrait que Fifi devienne un être humain ou que moi je me transforme en petit chien, en petite chienne, pour être avec mon chien. Vous êtes d'accord avec moi? Nous ne sommes pas de la même nature. Maintenant, pensez à Dieu. Dieu et nous. Dieu. Dieu a une nature divine. Nous, nous avons une nature humaine. D'accord? Dieu, quand il aime, il se donne complètement. Il donne ce qu'il est. Il ne garde rien. Il se verse, il se déverse totalement dans la créature, dans son enfant. Et nous, comment on l'aime? Comment on aime Dieu? À notre manière humaine. Avec des prières, avec des dévotions, avec des attitudes pieuses, des actes bons. Mais ça, ce n'est pas de la nature divine. Donc, Dieu ici est le maître. Le maître. Et nous, qu'est-ce que nous sommes? Hein? On est un peu comme Fifi, comme le petit chien. On le remercie. Hein? Dieu nous remercie. Hein? Et nous remercions notre petit chien. On est content, sa gentillesse, sa bonne humeur, l'amour qu'il a pour nous. On lui donne des croquettes, on le sort à promener, on lui met un coussin dans sa niche. Mais on ne l'admet pas dans notre vie personnelle. On ne le fait pas entrer dans notre intimité. Eh bien, Dieu, c'est la même chose. Il nous donne des consolations, il nous donne des douceurs, il nous donne plein de dons, plein de charismes. Ils sont des grâces, hein? des dons même qui peuvent être importants, des grandes grâces. Et avec ça, on se sent content, heureux. Mais on n'a pas Dieu avec nous. On ne partage pas son intérieur, sa vie. Jamais je n'ai été assis à la table de la très sainte Trinité. Vous comprenez? Jamais je n'étais en contact avec la très sainte Trinité, avec le cœur même de Dieu. C'est impossible parce que nous ne sommes pas de la même nature. Le plan de Dieu, quand Dieu a créé l'homme, c'était de créer une créature avec sa nature même, avec la même nature que lui. Mais la seule manière de pouvoir faire ça était de créer l'homme avec une volonté libre et que cette volonté libre permette à la divine volonté d'habiter en elle, afin qu'il y ait une vie divine, afin que Dieu puisse faire bouger à l'intérieur de l'homme tous ses attributs, pour que, ben voilà, pour que le petit chien, pour reprendre l'exemple, puisse se soir à la table, s'habiller, se laver, se doucher, partager nos aliments, conduire la voiture, parce que ça y est, il participe à la nature de l'homme. Et il est possible d'avoir une relation normale. Ça, c'était le plan de Dieu. Et ce plan, il a été brisé, détruit. Le plan de Dieu n'a pas fonctionné. L'homme, après la désobéissance d'Adam, va de mal en pis, et arrive à un moment où il n'est même plus possible de régénérer l'homme. Voyez, et Dieu doit détruire l'humanité. Pas comme une punition, pas du tout. Ce n'est pas une punition pour avoir été méchant ou avoir fait des bêtises. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est des idées que nous avons, nous. C'est
un besoin, c'est quelque chose qui est nécessaire. Parce que dans ces créatures, il ne peut plus amener son plan. Il ne peut plus conduire son plan à cette finalité. Et il est impossible de refaire le plan, de régénérer l'homme. Et c'est ça. Le déluge, c'est la raison du déluge. Et après, il ne restait plus que 3-4 familles. Et voilà. Et l'humanité a recommencé après le déluge. L'humanité va recommencer et Dieu va choisir un peuple, une personne, Abraham. Et avec Abraham et sa descendance, il va commencer à former un peuple pour l'éduquer, pour l'enseigner, pour refaire l'homme. Et au fil des siècles, nous connaissons bien hein, toute l'histoire du peuple d'Israël jusqu'à Jésus. Et Jésus, avec sa vie, sa souffrance, sa mort, sa résurrection, va obtenir du Père la possibilité de redonner à l'homme le paradis. Maintenant, Dieu décide de donner cette vie divine que nous avions perdue à l'homme. Et cette vie divine, nous la recevons à travers un sacrement qui s'appelle le baptême. Le baptême, c'est la restitution de la vie divine dans l'homme. Alors, nous avons la vie divine. Mais il ne nous a pas redonné la divine volonté. La volonté divine, cette vie divine que nous avons maintenant par le baptême, on va la faire grandir. Avec quoi? Avec des vertus, avec des efforts. Mais on va faire grandir cette vie divine avec des vertus, mais elle va rester très petite. On ne l'a pas fait grandir à la hauteur qu'elle devrait. Dieu ne peut toujours pas réaliser son plan, la finalité de son plan, la finalité de toute la création, qui reste en suspens. Vous comprenez hein? Donc il y a quelque chose d'autre. Dieu doit faire encore quelque chose, l'ultime chose même. Et ça, il nous le dit déjà. Il nous l'annonce déjà dans l'Évangile, hein, à la Sainte-Cène, après avoir prêché pendant 3 ans, après avoir institué ses apôtres, fondé son Église, les sacrements, etc. Ses apôtres étaient prêtres. Après tout cela, il dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire ». Mais pour le moment, vous ne pouvez pas les porter. Qu'est-ce que ça veut dire, vous ne pouvez pas? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? On ne capte pas tout. Ça veut dire que les apôtres avaient une connaissance de Jésus, certes. Ils savaient que c'était le Fils de Dieu, que c'était le Rédempteur. Ils savaient encore beaucoup de choses. Ils l'avaient vu faire des miracles et ressusciter des morts. Ils avaient entendu 3 fois le jour du baptême et sur le mont, aussi sur le mont Tabor, et encore, la voix du Père. Mais alors, c'était quoi qu'il leur manquait? Qu'est-ce qui était difficile pour eux de recevoir son corps et son sang, de manger sa chair et boire son sang? Bon, déjà là, une grande partie des disciples ont baissé les bras et ont arrêté de suivre Jésus, et il en est resté quelques-uns. Jésus, même à ce moment-là, se retourne et dit à Pierre, « Et vous aussi, vous allez me laisser ?»« Non, non, non. » Et Pierre, on pourrait dire, dit, « Écoute, je ne comprends pas.
Je ne comprends pas et je n'accepte pas que tu voudrais que je sois un cannibale qui mange ta chair et boit ton sang. C'est terrible, c'est horrible ce que tu me dis, Jésus. Pour un juif d'ailleurs, il fallait savoir que c'était une abomination de boire le sang des animaux. Et alors là, Jésus leur dit qu'il faut manger sa chair et boire son sang. Vous imaginez? Et si il ne faisait pas ça, il n'aurait pas sa vie. Alors, bon. Ils ont dû dire à Jésus, tu sais, Seigneur, bon, écoute, hein, mais tu as les paroles de la vie éternelle. Je ne comprends pas. Et ils en sont restés là. Alors, quelle est cette autre chose auquel les apôtres ne pouvaient pas avoir accès et que Jésus a laissé pour après? Vous ne pouvez pas pour le moment. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. C'est quoi? Eh bien, ça, ce dont nous parlons, la divine volonté, c'est ça. Si Jésus avait dit ça à ses apôtres, peut-être qu'il lui aurait dit non, alors là, écoute, hein, là, ça va plus, t'es vraiment fou. Déjà, tu veux que nous te mangions, qu'on boive ton sang, qu'on mange ta chair, mais maintenant tu veux me donner ta propre vie divine et que moi je sois comme toi. Non. Non, Jésus. Non. Il n'était pas prêt. Vous comprenez? Jésus l'a dit et en est resté là avec une finalité, pour que nous comprenions que tout ce que nous avons vécu depuis 2000 ans, c'est pas encore tout. Il manque encore quelque chose. Voyez? Cependant, nous avons vécu comme si la rédemption, c'était tout et qu'il n'y avait rien d'autre à espérer, que c'était vraiment le maximum auquel pouvait espérer un catholique, le ciel, le salut. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Non. Avec ça, ça y est, je suis sauvé. Je suis sauvé. Et alors les paroles de Jésus? Ah ben ça, on ne sait pas. Ah, peut-être que ce jour-là, il avait un peu trop bu le soir de la Sainte-Cène. Non, 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 non. C'est des paroles très claires du Seigneur. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais maintenant, non, vous ne pouvez pas. Eh bien, cela que ne pouvaient pas entendre et comprendre les apôtres, eh bien, il faut supposer que maintenant, nous le pouvons. Hein? Mais avec les têtes que vous avez, il semble qu'on ne peut toujours pas. Pourquoi? Pourquoi ça nous coûte tant? Pourquoi c'est difficile penser que quelqu'un puisse venir habiter en moi, vivre en moi? Et oui, et moi, où je vais, où je suis? C'est difficile parce que nous nous sommes habitués à vivre notre vie à partir de nous-mêmes. Quand je me vois, c'est moi qui pense, c'est moi qui observe, mais c'est moi aussi qui m'analyse, c'est moi qui me pense, c'est toujours moi, moi, moi. Vous comprenez? Moi, moi, moi. Et ça me paraît, je ne veux pas dire impossible, mais inconcevable de partir, de démarrer de quelque chose qui ne soit pas moi. C'est difficile. On ne peut pas capter ça, on ne peut pas comprendre. De démarrer, de partir, de commencer quelque chose à partir d'autre chose que de moi. Parce que je devrais m'enlever moi, moi-même. Et ça, c'est difficile à penser, à concevoir, à comprendre. Mais c'est ça. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça. C'est ça que Dieu veut que nous fassions. Il veut
que nous comprenions, d'abord que nous comprenions que la vie que j'ai, la vie que je vis, ce n'est pas la vie que Dieu a le projet de me donner, a le désir de me donner. Et après, en analysant, en réfléchissant, découvrir le comment. D'abord la foi. Vivre dans la divine volonté, c'est une fée héroïque. C'est une foi, héroïque. Une foi à son maximum. Hein. Rappelez-vous, les saints, après leur mort, on analyse leurs vertus pour voir si elles ont été héroïques, l'héroïcité des vertus. Eh bien, vivre dans la divine volonté, c'est l'acte le plus héroïque de la foi. Parce que c'est conduire la foi, à cette certitude que tout ce que je suis, que tout ce que j'ai fait, ça ne sert à rien. Ah, mais non, comment ça va? C'est là où, non, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela, et moi je suis ceci, moi je suis cela, voilà. Et immédiatement, c'est ça qui vient, parce qu'on a cette idée de nous-mêmes que nous faisons tout nous-mêmes, ou à partir de nous-mêmes. Jésus dit à Louisa, tu dois arriver à l'humilité parfaite. Et l'humilité parfaite, c'est reconnaître ton néant. Ça, c'est l'humilité à laquelle nous devons arriver. Reconnaître notre néant. Pourquoi ? Parce que tant que nous n'arrivons pas à ce point, et tant que je crois que je suis quelque chose, ça ne marchera pas. Et le seul qui peut dire qu'il est quelque chose, c'est Dieu. C'est le seul qui est. Et nous, tout ce que nous avons et de tout ce que nous glorifions, c'est rien. Le seul qui est, c'est Dieu. Je suis celui que je suis et tu es celle qui n'est pas, disait déjà Jésus à Sainte Catherine. Nous ne sommes rien. Qu'est-ce que vous avez fait pour avoir le corps que vous avez ? Rien. Et si on vous l'a donné, ce corps, pourquoi on se préoccupe tellement de satisfaire et de donner tant de choses à ce corps ? Vous voyez, on est toujours avec cette attitude de croire que nous-mêmes, nous avons fait quelque chose. Mais en fait, nous avons tout reçu. Qu'as-tu si tu ne l'as reçu ? Dit aussi Saint Paul. Je dois vivre avec cette idée. C'est très intéressant, c'est très profond. Je ne peux pas éviter de croire, de penser que je peux être et faire quelque chose à partir de moi-même. Eh bien, ce point-là, c'est le plus important. Il faut penser que tout ce que j'ai, ça m'a été donné pour y renoncer justement et arriver à la vie divine. Eh bien, ça c'est difficile. Comme la grande majorité d'entre nous, nous voulons nous sauver, il y a un petit problème, et j'espère que vous allez le comprendre, c'est-à-dire que ce que vous avez là, maintenant, eh bien, ça va vous être enlevé. Au ciel, on ne peut pas entrer avec ce que l'on a. Et qu'est-ce qu'on a ? Une vie humaine. C'est tout. Une vie humaine. Eh bien, cela va devoir disparaître. Ça va nous être enlevé. Et où ? Où ? Eh bien, au purgatoire. C'est ça. Au purgatoire, nous allons être dépouillés de cette vie humaine pour pouvoir recevoir
cette vie divine, et Dieu ainsi va pouvoir nous conduire à la finalité pour laquelle nous avons été créés. Vous comprenez? L'unique manière de pouvoir permettre à Dieu, écoutez bien ce que je dis, permettre à Dieu de réaliser son plan et la finalité pour laquelle nous avons été créés, c'est en acceptant cet échange de vie. Et dans cet échange de vie, eh bien, on va trouver justement tout ce que nous disions, c'est-à-dire je vais comprendre, nous allons contenir tout ce que Dieu est. Hein. Voilà. À tous, vous savez, ça nous coûte quand on entend parler de cela pour la première fois. Hein. Devoir abandonner toutes mes vertus, tout ce que je suis, tous les efforts que nous avons faits, ça dérange, parce que nous nous sommes tellement efforcés d'imiter les grands saints, nous nous sommes tellement efforcés d'être vertueux, pour nous approcher de Dieu, et que Dieu même les a récompensés. Regardez combien il a récompensé les grands saints. Et Jésus dit à Louisa, j'aime tellement, et c'est tellement important pour moi, cette vie dans ma divine volonté, que j'enlèverai, je vais faire disparaître toutes les autres saintetés qui sont à base de vertu pour n'avoir que la sainteté dans ma divine volonté. Jésus dit ça. Les vertus sont humaines. Les vertus sont des actes humains qui, avec la grâce de Dieu, hein, essayent d'imiter Dieu. La vie divine, c'est différent. La bonté divine, c'est est très différent de la bonté humaine. Jésus est généreux, bon à la manière humaine. Non, il est la bonté même. Il est. Jésus a de la pureté. Il est pur. Non, il est la pureté. Jésus a de l'amour. Il est l'amour. Voyez, tout ce que nous imitons trouve sa source, tout ce que nous imitons pour être vertueux trouve sa source en Jésus. Alors, nous, avec tous nos actes humains, nous avons essayé d'imiter Jésus, mais nous sommes restés très loin. Et quand nous arriverons au ciel, si nous y arrivons, nos vertus vont être mesurées et calculées, évaluées, le dit Jésus dans le livre du ciel. Et ils vont nous comparer, vous vous rappelez, dans les aéroports, par exemple, vous avez votre petite mallette, hein, et puis pour pouvoir, il dit, attends, si elle n'entre pas là, vous la mettez dans cette petite caisse pour voir, hein, et nous allons, pour voir si elle rentre, si elle est dans la bonne mesure, et nous allons arriver avec nos vertus, et ils vont nous dire, voyons, mesurer. Et qu'est-ce qui va mesurer nos vertus? La vie divine, Jésus. Quand est arrivé même Saint François au ciel, et Pedro, Pierre, on lui a dit, bonjour Saint François, qu'est-ce qu'il y a? Mais voilà, je suis là. Je suis François, Saint François. François, François d'Assise. Quel François? François d'Assise. Le pauvre. Celui qui a épousé Dame Pauvreté, et toute ma vie j'ai été pauvre. Ah bon, mais c'est bien, ben écoute. Et il dit, Jésus, Jésus, viens, s'il te plaît. Et Jésus arrive. Il y en a un là qui dit qu'il est pauvre. Allez, mets-toi à côté de Jésus pour mesurer ta pauvreté. Vous voyez où va, à quel niveau va arriver la pauvreté de Saint François à côté de celle de Jésus? Bon,
je ne manque pas de respect à Saint François. Ah, enfin, n'allez pas dire, ah, il a dit de Saint François ou de l'autre saint. Mais non, or, ça serait déjà merveilleux que d'avoir la pauvreté, l'humilité, le don, cette sainteté de Saint François. Mais je veux faire comprendre que je dois renoncer à ma vie pour entrer dans cette ambiance divine, dans cette divine volonté. Et alors là, quand je frapperai au ciel et que Pierre va sortir pour me voir, il va dire, oh là là, Seigneur, tu es là, tu es dehors, mais je croyais que tu étais à l'intérieur. Et parce que c'est Jésus en nous. C'est Jésus en nous, mais pas pour moi, pas parce que je suis meilleur. C'est Jésus vivant en nous. Vous comprenez? Ce qui va arriver, c'est que, voilà, on arrivera au ciel, pas avec une vie humaine, mais une vie divine. Une vie divine. Oh, revenons à l'origine maintenant. Cette vie divine doit contenir absolument tout ce que contient la vie divine. Jésus dit, ma volonté, après avoir formé l'ordre de la création, avec toute la somptuosité, la sublimité de son œuvre créatrice, lorsque la créature répète ses actes, ma volonté prononce dans cet acte-là son fiat. Ça veut dire que cela soit fait. Et dans cet acte, pour y former ma vie et placer sa valeur. Dans un autre acte, dans cet autre, elle prononce son fiat pour y placer ses souffrances et la valeur de mes souffrances. Ma volonté prononce son fiat dans ses larmes pour y placer la valeur des miennes. Et son fiat la suit dans ses œuvres, dans ses pas, dans ses battements de cœur pour y placer la valeur de mes œuvres, de mes pas et des battements de mon cœur. Il faut comprendre quelque chose. Quand on dit la création en nous, c'est pas que le soleil va être enfermé en nous. On va pas avoir une cucaracha en nous. Toutes les choses créées ont une valeur, un amour et une fonction distinctes. Tout ce qui est créé par Dieu, c'est un acte divin. Et donc, puisque c'est créé par Dieu, ça fait partie de lui. Donc il y a quelque chose de lui, un amour, une valeur et une fonction. Le soleil, par exemple, le soleil a une valeur, une fonction et un amour. Un simple clin d'œil peut avoir cette valeur d'une des œuvres de Dieu. Lisons ce beau texte. Tu ressens jusqu'où peut en arriver son amour. Mon fiat a créé la création et à chaque chose créée, il assigne une valeur, un amour, une fonction distincte de façon à produire un bien distinct pour les créatures, si bien que le ciel a une fonction et un amour qui lui appartiennent en propre. Le soleil, le vent, la mer en ont une autre et ils accomplissent des fonctions distinctes. Et ainsi de suite pour toutes les choses créées. Tu ressens maintenant ce que fait ma volonté pour la créature qui vit en elle. Tout ce qu'elle fait lui appartient. De sorte que dans un acte, un clin d'œil, elle place la valeur, l'amour et la fonction du ciel. Et elle donne à la créature l'amour et la valeur du ciel. Dans un autre acte, ma volonté prononce son fiat et elle y place la valeur et l'amour qu'elle avait en créant le soleil, et elle lui fait remplir la fonction du soleil. Dans un autre, ma volonté place la valeur du vent, son amour dominant, et prononçant son fiat, lui fait accomplir la fonction du vent. Dans un autre encore, ma volonté place la valeur de la mer, et prononçant son fiat, lui fait accomplir la fonction de la mer.
et lui donne la vertu de murmurer toujours amour, amour, amour. Bref, il n'est pas un acte de la créature où ma volonté ne prenne plaisir à prononcer son fiat. Donc, le clin d'œil, même si ce n'est pas le soleil, il reçoit dans la divine volonté la valeur, la finalité et la fonction du soleil. Tous nos actes, dans un autre acte que nous faisons, ce sera l'amour, la valeur et la fonction d'un arbre. D'accord ? Alors, vous allez me dire, mais que c'est bizarre, comment un arbre ? Eh oui, rappelons-nous les paroles de saint Paul. Toute la création gémit dans les douleurs de l'enfantement. Vous imaginez un arbre, un pin en train de crier ? Non. Mais vous avez vu, par contre, une personne qui est en train d'accoucher. Vous imaginez un arbre en train de crier comme une personne qui accouche ? Alors, pourquoi toute la création gémit dans les douleurs de l'enfantement ? Parce qu'elle a quelque chose dedans. La femme, quand elle accouche, elle a quelqu'un, elle a un enfant qu'elle veut mettre à la lumière. Et elle souffre et elle fait un effort, vous comprenez ? Eh bien, c'est la même chose. Ça fait mal, voyez ? La création. L'oiseau, le soleil, le chêne, tout ce qui est créé gémit dans ces douleurs de l'enfantement. Mais c'est une douleur très spécifique. C'est pas seulement une douleur. Non, une douleur d'enfantement. Donc il y a quelque chose qui veut sortir de l'intérieur. Et ce que chaque chose créée veut sortir de cet intérieur, c'est l'amour. L'amour que Dieu a pour nous, pour l'homme, puisque tout a été fait pour l'homme. Et cet office, cette fonction de la chose créée, et cette valeur, tout ça, tout ce que contient la chose, les choses créées, c'est pour l'homme. Et ces choses peuvent être mises en nous, pas matériellement, mais comme une valeur, comme un amour, comme une finalité. C'est merveilleux. Et après avoir mis sa création en nous, il veut mettre sa vie. Et c'est pour ça, relisons au milieu du paragraphe ce que nous dit Jésus. Ma volonté prononce son fiat dans ses larmes pour y placer la valeur des miennes. Et son fiat la suit dans ses œuvres, dans ses pas, dans ses battements de cœur, pour y placer la valeur de mes œuvres, de mes pas et de mon amour. Il n'y a pas de prière, ni même d'acte naturel, où mon fiat ne place la valeur de mes actes. De sorte qu'avec celle qui vit dans ma volonté, je me sens répéter ma vie, et sa valeur redouble pour acheter ma divine volonté pour le bien des générations humaines. Toute la création et toute sa vie est enfermée en nous. Écoutons. Mais ce n'est pas encore tout. Si elle ne fait pas des œuvres complètes, elle n'est pas contente. À la valeur de la création et rédemption qu'elle a enfermée dans l'âme, elle ajoute avec un amour incroyable le fait d'enfermer aussi la patrie céleste et fait résonner sa gloire, ses joies, les béatitudes éternelles comme le sceau et la confirmation de l'œuvre créatrice et rédemptrice qu'elle a formée en elle. Vous vous rendez compte ? Dans l'âme se trouve enfermé ce que Dieu a au ciel. Toute la gloire dont peuvent jouir les bienheureux, les saints, toute leur béatitude se trouve enfermée dans la créature.
Qu'est-ce qui se passe? La créature se transforme en Jésus. C'est une transformation qu'il fait en nous. Il va nous dire, comme dans les films Transformers. Maintenant, la créature a la même chose que ce qui est contenu en Jésus. Et donc, la béatitude éternelle qui est en Jésus se trouve aussi dans l'âme. Vous voyez, il y a une unité de vie, ce dont parlait le catéchisme, hein, et Jésus dans l'évangile. Une unité de vie, un. Sa vie à lui et ma vie en moi, à travers ce vécu dans la divine volonté, devient une seule et même vie et contient tout. C'est pour cela qu'il veut enfermer tout en nous, dans notre âme. C'est pas seulement, c'est pour pouvoir, lui, c'est ça, son désir, être un autre lui-même en nous. C'est pour ça que c'est le sceau, était-il écrit, c'est le sceau de l'œuvre de la création et de la rédemption. Vous voyez, pour être encore, lisons. Après cela, afin d'être encore plus sûr, elle crée son battement, sa respiration, et fait circuler sa vie plus que le sang, sa lumière, et comme dans un triomphe, lui donne un nom nouveau et l'appelle mon fiat. Vous vous rappelez du livre de l'Apocalypse quand il y a ce nom secret qui est reçu et que seulement connaît celui qui le reçoit. Il y a un passage, on peut trouver. Ceux qui triomphent, ceux qui arriveront au ciel recevront ce petit caillou où est écrit un nom nouveau. Et c'est ce nom, c'est le nom avec lequel le patron va appeler Fifi, le petit chien, vous voyez, hein? Voilà, parce que il fait partie de sa nature, il partage sa nature. Et ce nom nouveau pour les âmes qui vivent dans sa volonté, c'est mon fiat. Ce nom, c'est le nom le plus beau qui soit et qui fera, ici, ce nom est le plus beau nom qui fera sourire à tout le ciel et trembler tout l'enfer. Ce nom que je ne peux donner qu'à celle qui vit dans mon vouloir et m'a laissé faire en elle ce que je veux. Continuons. Ma fille, y a-t-il quelque chose que mon fiat omnipotent ne puisse faire et donner? Il va jusqu'à donner ses droits sur son propre pouvoir, sur son amour, sur sa justice. Et il incorpore en lui-même la volonté de la créature et lui dit « Sois attentive, je ne veux rien d'autre que toi, de toi, que tu fasses ce que je fais. Par conséquent, il est nécessaire que tu sois toujours avec moi et moi avec toi. » C'est incroyable. Vivre dans la divine volonté, c'est un échange de vie. Qu'est-ce que c'est que la vie? C'est l'ensemble de nos actes. Nos actes sont produits par notre volonté, qu'elle soit humaine ou divine. L'échange de vie, c'est échanger des volontés. À partir du moment où j'ai une volonté divine en moi, je ne vais plus agir avec l'humain, humainement, mais je vais agir avec les attributs de Dieu qui vont bouger, se bouger en moi, dans mon acte. C'est plus avec ce que je contiens moi, humainement, mais c'est avec ce que contient la divine volonté. Et je vais avoir en moi tout ce que la divine volonté contient. Il va enfermer, mettre en nous tout cela pour que nous puissions être exactement comme lui et avoir avec lui une relation d'amour d'égal à égal. Prenons l'exemple. Si vous voulez avoir une relation d'amour avec quelqu'un,
hein, une relation normale, on se donne des cadeaux, on se... Et que vous voudriez faire un cadeau avec la personne la plus riche du monde, avec Bill Gates, par exemple. Hein? Il voudrait vous donner toute sa richesse, toute sa fortune. Et vous allez correspondre avec ce que vous avez. Ben oui, bien sûr que vous allez correspondre. Vous allez lui amener, je sais pas, moi, un éclair au chocolat, un petit jouet, quelque chose à Bill Gates. Hein? Voilà. À l'homme le plus riche du monde. Avec tout votre cœur. Et quand il va recevoir votre éclair au chocolat ou votre petit cadeau, il va dire, oh là là, ce que j'ai toujours rêvé d'avoir. Dieu veut que nous lui donnions tout ce qu'il contient, tout ce qu'il est. Et là, il y a une vraie relation d'amour, un échange de vie. Vous comprenez? Dieu veut être aimé avec son propre amour.